La question en creux, c'est évidemment celle de la répartition des richesses en réalité. Une fois que vous avez ce fil conducteur à l'esprit, vous comprenez l'ensemble des revendications catégorielles qui sont portées au sein du mouvement des Gilets jaunes. L'augmentation du SMIC et des salaires en général, la réindexation des retraites et des allocations familiales sur l'inflation, la revalorisation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Et pour financer toutes ces mesures, la première étape est déjà de remettre en cause tous les dispositifs fiscaux qui ont été adoptés au début du quinquennat Macron, qui sont au bénéfice des 1 voire des 0,1% les plus riches, c'est-à-dire la réforme de l'ISF, la flat tax, l'exit tax. Aujourd'hui, on nous explique que tout est contraint depuis des années et des années par la dette publique et par le déficit. Je rappelle que ça fait maintenant 45 ans que pas un seul des budgets qui a été adopté par l'État n'est à l'équilibre. Nous sommes en réalité donc dans un paradoxe. Chaque année, la richesse produite dans notre pays augmente. Les impôts, en revanche, pour la classe moyenne prise au sens large, donc jusqu'au CSP+, eux ne baissent jamais. Et pour autant, on nous expliquerait donc que nous serions toujours en déficit. Mais la question se pose de savoir où va l'argent. Et l'argent, en réalité, va dans la poche des 1 voire des 0,1% les plus riches. Par le biais des dispositifs fiscaux au bénéfice des 1 ou 0,1%, par le biais des intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards d'euros d'intérêts par an, et également par le biais de l'évasion fiscale qui coûte 80 à 100 milliards par an au pays. Et puis vous avez donc la deuxième revendication, qui est une revendication d'ordre institutionnel, qui concerne la volonté pour le peuple de pouvoir intervenir directement dans la démocratie, et c'est le sens de la revendication du référendum d'initiative citoyenne. Quelle sera mon action plus tard? J'en sais rien. Ça dépendra justement des décisions collectives qui seront prises, et la question est de savoir quel est le plus efficace, où serais-je le plus efficace pour tenter de changer la politique dans ce pays. Moi, je pense que la priorité est d'élever le niveau de conscience politique des gens et de faire ce qu'on appelle de l'éducation populaire, c'est-à-dire d'expliquer les mécanismes qui sont à l'œuvre pour gagner le combat des idées. Et une fois que vous avez gagné le combat des idées et que tout le monde est d'accord dans la population sur ce qu'il faut faire, le reste suit tout seul ensuite. La révolution est faite dans les esprits depuis le 17 novembre 2018. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui étaient résignés depuis des années, qui, parce qu'ils étaient isolés, se sentaient impuissants et avaient totalement déserté la politique au sens noble. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont décidé de se réveiller, qui ont pris conscience que de leur force collective, en se réunissant, ils étaient effectivement puissants. Et ils ont décidé donc de réinvestir la politique. Et ils sont très vigilants et très attentifs aux personnalités. Et au point de savoir si certaines personnes poursuivent effectivement avec sincérité l'intérêt du mouvement ou si des personnes essayent de détourner les choses dans leur intérêt personnel. La question de la structuration politique, elle se posera dans le mouvement, mais aujourd'hui c'est tout à fait prématuré. Et elle se posera, à mon sens, lors d'élections nationales. Parce que seules des élections nationales, quand une nationale, c'est présidentielle ou législative. Parce que c'est le moyen, effectivement, d'être demain aux manettes, aux commandes. Et donc, une fois que vous avez pris le pouvoir par les institutions, là, vous pouvez changer la politique. Et vous allez pouvoir introduire le référendum d'initiative citoyenne et plus largement une réflexion globale sur le fonctionnement des institutions. Et puis également, mettre en œuvre une politique de fond. Bon, mais la question, est-ce que ça se fera par la structuration d'une force politique sur la base du mouvement des Gilets jaunes? Peut-être, mais ça, il faudra en débattre. La décision sera prise collectivement. Est-ce que ce sera possible de le faire ou pas? Aujourd'hui, ça paraît très compliqué d'arriver à organiser ça à une échelle nationale, alors que le mouvement, il est parti de ronds-points déconnectés les uns avec les autres sur l'ensemble du territoire national. Donc cette question-là, on se la posera, mais en temps voulu, et je pense que le temps voulu, ce sont des élections nationales. Nous savons d'ores et déjà que le grand débat national, il est verrouillé, et qu'aucune solution concrète n'en sortira. Le président de la République est simplement en train de mener campagne pour les élections européennes. Et on le voit sur des journées pendant 6 ou 7 heures, sur toutes les chaînes d'infos en continu, partout. Enfin, je veux dire, la prochaine étape, c'est de mettre des haut-parleurs dans toutes les rues, puis on fait Big Brother et puis on entend la parole du maître 24 heures sur 24. Hein, on peut aller là, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus très loin. C'est une opération de propagande et de campagne. Et c'est une campagne électorale et il va falloir que l'institution de contrôle se penche très sérieusement pour décompter le temps de parole. Parce que là, il est évident qu'il mène campagne pour les élections européennes et qu'il y a un déséquilibre tout à fait évident et un manque d'équité
dans la conduite de la campagne, parce que tous les autres partis d'opposition n'auront pas évidemment ce temps de parole qui est aujourd'hui donné au président de la République.